Alors, bienvenue au Lac Ontario. On est le 13 juillet 2010. On se prépare à une belle journée de pêche au saumon chinook, à la truite arc-en-ciel. Et on est en plein milieu d'un gros tournoi qui s'appelle le Great Ontario Salmon Derby. C'est un tournoi qui permet de gagner à chaque semaine, pendant 6 semaines, une Toyota Matrix, une auto. On ne sait pas si on a des chances aujourd'hui. On a rentré un gros poisson de 34 livres il y a 3 jours. On est en 3e place présentement. Fait que c'est le score à battre. La première position est de 35,85 litres. On va essayer de battre ça. Une petite auto, ce serait fun. Hein? Et à la fin de l'été, le plus gros prix, c'est un Toyota Tacoma, un gros pick-up. On souhaite bonne chance. Une chose importante avant de partir, en prenant des passagers commerciaux, on est considéré par Transport Canada comme étant un small vessel, une petite embarcation. Et on est considéré comme un navire à passagers. Ce que ça implique, c'est qu'on a des normes de sécurité beaucoup plus sévères à respecter. Un bateau qui est acheté flambant neuf au magasin va être parfait pour la pêche, pour la plaisance, mais ce n'est pas un bateau qui va être conforme pour le transport de passagers commercialement, si on peut dire. Entre autres, comme règle de sécurité, au lieu d'avoir des vêtements de flottaison individuels, ça va prendre des vestes de sauvetage. La différence, c'est que des vestes de sauvetage, c'est un vêtement qui va être beaucoup plus... qui a beaucoup plus de flottaison. C'est un vêtement qui va avoir 30 livres de flottaison comparativement à une veste de pêche qui va, elle, avoir à peu près 15 livres. La veste de sauvetage est designée, si on peut dire, pour garder la tête en dehors de l'eau. Une journée comme aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est prendre la profondeur le plus rapidement possible. Le lac descend vers là, on s'en va vers le milieu du lac. OK. Parce que si je m'en vais avec un angle, ça va prendre plus de temps. Au lieu de mettre nos lignes après 5 minutes, on va les mettre après 10 minutes. Parce que là, tu sais pas typiquement où est le saumon. Le saumon va... Le positionnement du saumon va dépendre des températures d'eau. Ça va dépendre des courants, ça va dépendre des vents des dernières journées. Mais une chose qu'on sait, c'est que le saumon se tient en eau froide et il va se tenir à l'intersection de la thermocline, qui est la distinction entre eau froide et eau chaude, à l'endroit où cette thermocline-là rejoint la berge. Une belle destination qu'on se fait aujourd'hui. Journée de rêve. Sincèrement, c'est une journée de rêve qu'on s'apprête à vivre. C'est pas un grand voyage. On peut même dire que c'est une demi-journée. Mais aujourd'hui, on amène les gens avec nous autres sur le lac Ontario. Oui, puis on sait que sur le lac Ontario, on n'est jamais certain de ce qu'on va capturer. Hein. Il y a beaucoup de saumons, il y a beaucoup de truites arc-en-ciel. Et on est venu ici aussi dans le cadre d'un tournoi de pêche. Tout qu'un tournoi de pêche où il y a de beaux gros prix à gagner. Et si on est capable, on aimerait bien ça battre le record du lac pour permettre à notre capitaine et à nous-mêmes de pouvoir être les champions cette année. Si je ne me trompe pas, le tournoi s'appelle le Ontario Great Salmon Derby ou quelque chose comme ça, inverser un mot d'un sens ou de l'autre. Oui. Mais c'est la recherche des plus gros spécimens. Et comme Jean-François nous expliquait, notre capitaine Jean-François Néron, du charter, si on veut, Fish Challenger, il nous expliquait qu'il y a quand même des beaux prix. Là, on parle de 6 Toyota Matrix à gagner durant le tournoi. Et le grand prix pour le plus gros saumon capturé, on parle d'un Toyota Tacoma. Donc vraiment des très, très beaux prix. La journée s'annonce très belle. Le lever du soleil est magnifique. Le lac est très beau. Donc on va permettre à notre capitaine de nous installer pour la pêche et on espère être capable de vous montrer de très belles images puis qui sait, peut-être un très gros poisson. On l'espère. Alors tout le monde, restez présent. Avec nous aujourd'hui, pêche sur le lac Ontario avec Fish Challenger Charter.
On sait que sur le lac Ontario, on va mettre beaucoup de lignes à l'eau. Et la gang de copains ce matin, pour tirer au sort de quelle manière on va... quel sera l'ordre, pardon, dans lequel nous allons prendre les cannes à pêche? Parce que quand il y a un poisson qui va mordre, le premier qui va prendre la canne à pêche, les autres vont lever les lignes. Donc, on a décidé de tirer à la courte paille. Donc, Pierre, je te laisse l'honneur de choisir un cure-dent. Ah, Pierre, on a un cours. Pierre, hein? T'es le premier. Pierre, tu vas être le premier à lever une ligne. Moi, je vais être le dernier. Moi, je vais être le dernier. Là, je vais m'en plus une. Toi, tu vas être l'avant-dernier et Mathieu sera le deuxième. Donc, alors, je suis trois. Et moi, je suis quatre. Mais le plus gros, c'est... Là, tu allais prendre des petits. Moi, je vais regarder le gros pour la fin. Le plus petit cure-dent, mais je vais prendre la plus grosse. Pierre, il dit qu'il y a le plus petit cure-dent, il va prendre la plus grosse. Bon, ben bonne chance, messieurs. Bonne chance. Sur le sonar. Ça va aller à quelle profondeur, celle-là, mettons? 150? 150 pieds, ça va aller de... Enfin, on va essayer de couvrir toutes les profondeurs. Ça va aller de 15 à 30 pieds pour la 150 pieds de ligne de cuivre. C'est le poids du métal qui fait que notre leurre va descendre. Plus on met long, plus ça va aller en profondeur. Donc, on a des cannes de différentes longueurs de fil de cuivre. On a des 150, on a des 300, des 75. Et chacune d'elles va couvrir une zone différente. Et on va voir au fil de la journée les régions, les profondeurs qui sont les plus efficaces. Puis on pourra se concentrer là-dessus. Mais ce matin, on va s'y mettre des leurres de 120 pieds de profondeur juste pratiquement à la surface pour se donner le maximum de chance. On commence toujours par installer les cannes qui vont être les plus courtes, donc les plus en surface, le plus loin possible du bateau. Fait qu'on va étendre des cuillères sur ces cannes-là. On va étendre derrière le bateau et à l'aide de dériveurs, on va les écarter vers les côtés. Par la suite, on va venir placer nos deep-sea divers qui vont être dans une position intermédiaire et on va venir avec les down riggers. Les down riggers derrière le bateau. Bon, je choisis vos cuillères. Parfait. Que les gens pensent pas. Souvent, c'est la ligne brise, ces petits dériveurs-là partent en voyage, on les perd. C'est toujours une bonne idée d'écrire au crayon feu votre nom, numéro de téléphone. Si vous prenez un bon samaritain, il va vous appeler et vous allez récupérer. Ça t'en sort beaucoup. Ça ne coûte rien. Si vous n'avez pas de nom dessus, c'est sûr qu'il ne reviendra pas. Chargez la canne dans les airs. La tenez, là? Oh! Il pourrait être un peu plus loin, hein? Non, il est pas pire. Il est là. L'autre est là-bas, puis lui, il est là.
qu'on peut voir ici sur notre sonar, okay, on a la vitesse de déplacement par rapport au sol, qui est notre vitesse GPS. On est présentement à 3,38 milles à l'heure. Il a sauté là-bas. Bon, c'est ma fête. On prend la ligne, qu'est-ce que tu veux? L'autre bord, Pierre, tourne l'autre bord. Ouais. C'est drôle, j'avais pris ça en dimanche, ça pouvait arriver, cette affaire-là. À la sauteur de l'eau, je pense que c'est ça. Bien, Pierre, pas de problème. Bon, bon, bien. Ça, c'est une truite arc-en-ciel, Pierre. Je l'ai vu sortir hors de l'eau, t'as été. L'as-tu vu sortir? Elle a sauté, hein. Non, viens, Pierre. Ah oui, c'est une belle truite. On met pour ça sortir de l'eau, là, la fond. C'est ça, les surprises du lac Ontario. On déroule la ligne, puis on capture un poisson. C'est quoi, on a deux minutes de pêche de quatre, même pas? On n'a pas commencé à faire non. Et nous, on dit force au temps qu'il y a. Alors, je suis remarqué que c'est un dream fishing. Oui, c'est un dream fishing. Puis on va encore un, deux pieds. Est-ce que tu as quelque chose à ramasser le poisson? Une pince? Oui, non. Ou un net? Un beau poisson. Un beau poisson, bien. Un beau poisson. Va donc, Jacques. Prochain élève, ta canne. Tu veux aller me chercher l'appareil photo en arrière? Plus de lunettes. Ouais. Premier poisson, yes sir. Ça fait trop longtemps qu'on... Ben, c'est des lunettes que j'avais trouvées. Ça fait longtemps que ça fait tu rises, si ton fil sort, ça donne quelque chose? Là, il va couper ça au montage, parce que moi, j'enregistre en parlant, mais c'est rare qu'on a une canne avec un poisson deux bouts. C'est vieux, Mathieu. Qu'est-ce qu'on avait comme lard là-dessus? Celle-là, hein? On vient de poser. Qu'est-ce qu'on avait comme lard? C'est-tu la même ligne? C'est un martelé et une... Martelé, chartreuse de bleu. Ben, la marque... Green Fishing. On teste en même temps, on teste nos cuillères.
Donc, on fait des tests sur l'Ikuya Dream Fishing. C'est un martelé avec beaucoup de bleu. Ben, on pêchait à quelle profondeur avec cette canne-là, Mathieu? À peu près, selon le range, selon la charte, si on veut, des profondeurs avec une ligne de cuivre de 150 pieds, on va chercher habituellement à peu près entre 35 et 50 pieds selon notre capitaine Jean-François. Ça vite, mais c'est bon. Pas trop de temps, mais fais ça vite. Oh, ah, il s'est décroché! Il s'est décroché? Hein? Parti. Ah. Bon. Le poisson s'est décroché. Avec Mathieu, ça fait prise 2, là. Là, on a tout levé l'équipement parce qu'on va changer de place. Ouais, on est dans un secteur où on note pas de ménée, on note pas de poisson sur notre sonar. Ce matin, on est parti, on a mis nos lignes à l'eau dans 60 pieds d'eau. On visait les gros saumons, on marquait beaucoup de poissons. Puis tranquillement, ça a disparu. On s'est éloigné vers le large. Là, on est dans 150 pieds d'eau. Puis, à un moment donné, quand on est dans un secteur où on n'a pas rien vu pendant longtemps, ça peut être préférable de... parce qu'on pourrait continuer bien longtemps. Hein. Si on n'est pas dans le bon secteur, des fois, ça peut être préférable de lever les lignes puis simplement de se déplacer à haute vitesse et de recommencer. Puis de trouver un secteur... Fait que là, on a deux choix. Soit qu'on retourne au bord et qu'on vise des gros saumons chinook qui vont se tenir collés au fond. Dans le cadre du tournoi, ça peut être intéressant. Nos chances de capture sont moindres que quand c'est tôt le matin ou quand c'est tard le soir. Présentement, il est 9h. Quand le soleil se lève à l'horizon, les ménées habituellement se dispersent. Donc, les saumons ne prennent pas la peine là, de courir après les ménées individuellement. Ils vont aller se coucher au fond. Ils ne sont pas en état d'alimentation, mais on peut quand même réussir à en capturer. Sauf qu'au lieu d'avoir des gros appareils, des réflecteurs qui vont les énerver, quand ils sont en chasse, on va plus c'est bruyant, mieux c'est. Mais là, ils vont être en phase plus de repos. On peut mettre plus des cuillères plus tranquilles. On risque quand même d'en accrocher un. Ou l'autre solution, c'est de se rendre au large, trouver des zones où il y a des débris de température, des endroits où les débris s'accumulent au fil des journées, des semaines. À ce moment-là, on pourrait faire une dépêche à partir de truites. Fait que c'est votre choix. Soit on va à la truite au large, on peut revenir avec une vingtaine de truites, ou on reste au bord puis on tente le tout pour le tout. Okay. Fait que, on va voir. Là, on a une ligne qui a coupé, on va réinstaller comme ça quand on va arriver à l'autre place, on va être là. Parlez pas parce que moi t'es écœuré longtemps, Giacomo. Mm-hmm. T'as un petit peu de blanc sur le bord de la lèvre là. Mm-hmm. On l'avait dit, hein, c'est tout le temps quand on mange quand. Que... Oui, monsieur. N'inquiète pas, il est encore loin. Ouais,
capitaine pendant qu'il va bouger encore un peu. C'est pas le temps, ça? Ouais. Ben oui, comme certains font, là. Ben. C'est quoi, pourquoi je suis content? Non. Parce que tu pourras pas nous écœurer avec un gros saumon, tu viens de capturer une truite et tu viens de passer ton tour maintenant. Petit bébé chinois. Ah, un petit bébé chinois? C'est noir, ouais. Un bébé! Parfait. On va sortir l'appareil photo, un peu si je veux pas le faire. Ok, vas-y. Et bon! Ouais! Ok, vas-y. Tu nous as pas cassé au tord de l'eau? On a le droit à des beaux sauts en dehors de l'eau, hein? À nos morts du frein, hein? Denis, ça va non. Faut être patient. Nous, tu t'en droit pas en plus? Non. Non. Okay. Encore un beau saut, tu veux? J'ai hâte qu'avant, j'ai hâte de venir ici, là. Tu vas faire de quoi parce que là, mais je vais. Avant que. Ça a l'air d'être dur les poignets un peu. Oui, elle ne coopère pas, elle veut pas venir. J'avais dit moins 12, Jacques! Moins 12? Et si, j'ai pris 3 minutes avant que je te le mette. J'ai pris 3 minutes trop tôt. Ouais, ouais. Je suis bien content de me faire présent. C'est juste après.
impact très violent sur les petits. Là. Oh, il est plus tôt. Ouais, beaucoup plus. À quel endroit vous aviez étudié avant? Marc-André Jolicoeur. C'est trop fort à la chanteur Garnier. On la voit, elle a changé. C'est sûr que là, ça tire beaucoup à cause du but. Ah ouais, ouais. Dans la feuille. Dans le panier d'épicerie. Yes. Bravo. Oh. Reste là. Oh. Hein? Un, deux, trois, quatre dans l'ordre, c'est ça que ça donne. Bon, oh, bon, on va donner un poignet. Fait que bouche blanche, bouche noire. Quelle couleur sa bouche? Oh! On va mettre la glacière. Laisse-le ici se déposer. Ben, un beau petit passon, hein? Un beau petit passon. Un beau petit passon. On est à peine d'attendre de pêcher le quatrième. Ouais. Il n'y a pas de carte très bon dedans. Ouais. Mathieu, une journée de pêche absolument de rêve sur le lac Ontario aujourd'hui. Écoute, on ne savait pas trop à quoi s'attendre hier parce que lorsqu'on était sur la route, on regardait la météo, il annonçait des orages. Quand en fin de semaine à Québec, on regardait pour la région d'Oshawa, Bowmanville, on nous disait peut-être 60% de possibilité d'averse, avertissement de tempête violente. Il y a quand même passé un front froid parce qu'on a une chute de température assez marquée avec des orages autour de nous, mais nous, on a été chanceux. Puis finalement, ce matin, on s'est levé humide, chaud. Le soleil s'est couché très, très rouge hier soir. Ce matin, déjà
de bonne heure, lorsqu'on est arrivé vers 5h30 ici, c'était, on sentait déjà la chaleur. Puis finalement, ben écoute, on s'est fait cuire toute la journée sur toute la journée, une partie de la journée, parce que notre voyage est terminé vers 14h. Et puis, écoute, pour nous, c'est une journée parfaite, c'est une journée intéressante. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais vous avez seulement pris quatre poissons. Ben oui, mais c'est ça la pêche sur le lac Ontario. C'est pas comme de la mouchetée dans des pourvoiries qu'on a au Québec. C'est pas comme le doré sur le fleuve. C'est la pêche sur le lac Ontario. On pêche dans des profondeurs de 80-90 pieds, tout dépendant des espèces. On aurait pu prendre beaucoup plus de poissons, mais on n'aurait pas pêché nécessairement pour le saumon. Comme Jean-François nous l'expliquait, on serait allé un peu plus au large, on aurait pêché pour la truite. On aurait peut-être pris 20 truites arc-en-ciel. Mais on voulait un saumon. 7-8 10 livres. Il s'est pris du gros saumon de ce temps-là. On est dans une période de tournoi. On a dit, bien, on va l'essayer. Puis bon, ben ça n'a pas fonctionné. Mais écoute, on a eu une belle journée. Quatre bons chums ensemble avec Jean-François. C'est une journée que moi, je considère parfaite. Écoute, tout ce qu'on pourrait dire aux téléspectateurs, c'est si vous avez le goût de vivre une expérience qui est assez unique, participer à un tournoi aussi qui a lieu année après année et qui présente de très, très, très beaux prix, mm-hmm. Des prix très intéressants. Écoutez, des voitures et puis un Toyota Tundra à la fin de la saison. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est pas tellement loin de Montréal. C'est encore... les gens de Québec, c'est un petit peu plus loin. Vous pouvez vous organiser avec Jean-François. Vous montez en début de journée, vous faites la pêche du soir, vous faites la pêche du lendemain matin et vous requittez pour la fin de la journée. Donc, vous avez deux belles demi-journées de pêche, quelque chose de très intéressant. Et le lac Ontario nous réserve souvent de belles surprises. On sait jamais sur quoi on va tomber. Donc, quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie. Rénal, merci. Écoute, c'est toi qui me dis, hey, Mathieu, on a eu du fun l'année passée avec Jean-François. Il faut essayer d'y retourner cette année. Donc, merci à Jean-François Néron de nous avoir reçus. Fish Challenger Charter, vraiment un service impeccable. Bien le fun de travailler avec Jean-François. Il n'est pas avare de ses trucs, de ses conseils non. pour le lac Ontario. À la limite, vous pourriez même, après avoir discuté avec lui, revenir ici avec votre embarcation pour essayer de faire de la pêche par vous-même. Donc, ne vous gênez pas. Ça vaut la peine de venir rencontrer un gars comme Jean-François. Venez faire une bonne journée de pêche avec lui. Puis, je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Vous allez revenir ici année après année. En passant, on a vu le talent aujourd'hui. Hein?